Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je procède pour réaliser mes terrariums. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors déjà, je vais peut-être commencer par vous montrer les terrariums que j'ai déjà fait. Alors j'ai décidé de faire ça dans des contenants qui sont assez petits. Si j'avais eu plus de place chez moi, je pense que j'aurais fait des terrariums mille fois plus grands. Mais bon, déjà avec un format de cette taille-là, j'ai pu mettre un ficus et un petit phytonia, donc c'est déjà pas mal. Je vais m'approcher pour essayer de vous montrer. Donc alors, je vais l'ouvrir. Donc ça, je crois que c'est un ancien pot à bonbons, un truc comme ça. Donc à l'intérieur, je vais essayer de pas trop pencher parce que j'ai mis de la puzzolane par-dessus. Donc au milieu, j'ai un ficus ginseng et à côté, j'ai un petit phytonia rouge. Et bien sûr, je viens de casser une feuille. Alors ce terrarium-là, je pense qu'il a à peu près 6 mois, comme celui-ci. Je crois que je l'avais fait en même temps. Donc celui-ci, il est plus simple. Pareil dans une petite bonbonnière et à l'intérieur. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est celui qui est complètement en train de s'enfuir. Il faut que je le coupe d'ailleurs. Alors vous voyez, c'est ultra bien développé. En plus, il est pas loin de la fenêtre, donc il adore. Et pour finir, celui qui me plaît le moins, je pense que c'est celui-ci. Donc celui-ci, il y a un phytonia rouge à l'intérieur. Et en fait le contenant, je suis pas très fan. Je crois qu'à l'intérieur il devait avoir des flageolets ou quelque chose comme ça. Mais en fait vous voyez, ça casse complètement le visu dessus. Il faut vraiment voir sur le côté, même la plante n'a pas beaucoup de lumière. Donc en fait ce terrarium là, il est pas très intéressant. Je pense que le phytonia, je vais peut-être le déplacer, le mettre dans un des terrariums qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va s'occuper de ces deux bocaux. Je les ai trouvés chez Ikea. Donc ça m'a coûté je crois 3€ pour celui-ci et 5€ pour celui-ci. Alors si vous recyclez des pots qui sont chez vous, veillez bien qu'ils soient bien nettoyés, qu'il n'y ait pas du tout de produits chimiques, de restes alimentaires dedans. Ça pourrait créer des réactions qui pourraient nuire aux plantes, donc on évite, on nettoie bien. On passe éventuellement un petit coup de vinaigre blanc pour bien nettoyer, et surtout on rince bien pour qu'il n'y ait vraiment plus de vinaigre. Alors on va commencer peut-être par choisir les plantes. J'avais imaginé faire peut-être dans celui-ci mettre le ficus. Il m'a l'air un petit peu grand, donc je vais voir si c'est possible de mettre le ficus à l'intérieur avec peut-être le petit bébé lierre qu'il y a juste ici. Ce petit lierre, il a clairement du mal, donc en terrarium je pense que ça lui plairait beaucoup. Je vais mettre aussi ce Pilea involucrata en terrarium, je pense, dans celui-ci. Ça va faire sympa, ouais, ça va faire joli. J'ai aussi ce petit lierre panaché que je pensais mettre en terrarium. Et du coup je vais peut-être récupérer les phytonias qui sont dans ce terrarium. Alors on va commencer la création par une première couche de drainage. Donc là je vais utiliser de la puzzolane, donc ça c'est de la roche volcanique. Vous pouvez en trouver en jardinerie, sinon vous pouvez utiliser des petits cailloux que vous nettoyez bien ou des billes d'argile. C'est comme vous voulez, l'essentiel est de faire une petite couche de drainage pour que l'eau ne stagne pas au niveau des racines. Alors vous voyez, j'ai pas fait une couche très épaisse de puzzolane, c'est normal, hein, pas besoin de mettre 5 cm, juste une petite couche pour recouvrir le fond, ça suffit. Alors maintenant on va pouvoir rajouter la terre, et là-dedans il y a un petit mélange un petit peu spécial. J'ai mis du terreau auquel j'ai rajouté 20% de sable et 10% de terre de bruyère. Et ça, les plantes qu'on va mettre dedans, elles adorent, donc c'est nickel. Là, n'hésitez pas à en mettre un petit peu, hein, c'est quand même le substrat qui va servir à nourrir les plantes et qu'elles puissent développer leurs racines, donc il faut quand même quelques centimètres. Alors bien sûr, avant de mettre la terre, vous pouvez rajouter plein de choses, hein, des petits cailloux colorés, ce que vous voulez, hein, pour faire de la décoration. Moi, je vous avoue que là, c'est pour les offrir, je vais faire quelque chose d'assez sobre. Mais après, laissez libre cours à votre imagination s'il y a des choses que vous voulez rajouter. L'essentiel est juste de bien les nettoyer. Alors là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je tasse un tout petit peu légèrement pour voir à peu près jusqu'où ça va et pour essayer d'égaliser les bords. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc là, je vais venir creuser au milieu dans celui-ci parce que c'est là que je vais mettre le ficus. Alors, je vais venir le dépoter pour retirer son ancien substrat. Ah, ça, j'avais pas prévu. Les ficus, souvent, c'est un petit peu la surprise parce qu'on ne sait pas la taille de leurs racines. Donc voilà, j'imaginais qu'il aurait peut-être des racines jusque-là et en fait, il y en a le double. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué. Si je le mets au milieu, vous voyez, en fait il dépasse trop, donc là ça sert à rien, je vais pas pouvoir le mettre dedans. Je vais essayer peut-être dans celui-là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, j'attendrai de trouver un bocal plus adapté pour le planter dedans, et en attendant il va rester comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à celui-ci parce que normalement on a toutes les plantes. Donc on a dit qu'on mettait le Pilea involucrata au milieu. Ça c'est une plante que j'adore, je la trouve juste magnifique. Je l'avais mis en sphène là, du coup toutes ses racines se sont développées dedans, c'est quelque chose de dingue. C'est incroyable.
Je vais essayer d'en retirer un maximum de ce fade, mais là malheureusement les racines du pilea sont tellement fines que je pense que je vais être obligée d'en laisser. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai peur d'arracher un petit peu trop de racines. Donc lui, je vais le planter au milieu. Hop. Je pense même que j'aurais pu rajouter un petit peu de terre, donc je vais en rajouter un petit peu. Donc lui, au milieu, hop. Et je vais essayer de mettre un petit pot à côté. Alors le lierre, il est pas très grand, mais je me fais pas de soucis pour lui. Il va très bien pousser. Ça, c'est le genre de plante invasive. Dès que vous les mettez dans un milieu qui leur plaît bien, et bah, elles arrêtent pas de se développer. Donc là, en terrarium, autant vous dire qu'il va un peu kiffer sa vie. Alors là, c'est plutôt pas mal. J'aime bien, mais je le trouve un petit peu vide là, à côté du lierre. Je pense que je vais prendre du coup un des phytonias qu'il y a là. S'il y a plusieurs pieds, ça serait génial. Comme ça, je pourrais en planter un à côté, ça fera un petit peu de couleur, c'est plutôt sympa. Alors, combien de pieds? Ah, ça m'a l'air, je crois qu'il y en a deux. Oui, parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ça? Je pense que je vais garder le petit pied pour mettre dans le petit terrarium. Celui-ci, comme ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et celui-là, je vais le mettre ici à côté. Et à chaque fois que je mets une plante dans la terre, je tasse légèrement autour. Faut pas tasser trop fort hein, pour pas trop écraser les racines, sinon elles n'arriveront pas à se développer par la suite. Vous pouvez vous aider d'un stylo, d'une baguette si vous voulez, comme ça vous pouvez planter un petit peu plus facilement. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, comme ça, hop, je peux rabattre bien proprement la terre autour du phytonia. Et comme ça, là, on est plutôt pas mal. Pareil pour le pilea. Alors j'essaye d'égaliser un petit peu sur les bords, mais bon, j'aime bien quand ça fait un petit peu fouillis et que c'est pas trop trop carré. Donc là, ça me plaît plutôt pas mal. Vu que les feuilles du pilea sont un petit peu matelassées, la terre s'est un peu glissée au milieu, donc c'est un peu chiant à nettoyer. Alors maintenant, on va s'attaquer à celui-ci. Donc celui-ci, j'ai dit qu'on mettait le phytonia et on va mettre le petit lierre aussi bicolore dedans. Ça va faire plutôt sympa. Alors comme à mon habitude, j'en mets strictement partout, c'est n'importe quoi. Franchement, si vous saviez le temps que je passe à nettoyer après, c'est une horreur. Alors, je vais commencer par lui parce qu'il prend un peu plus de place. Hop, bien au milieu. Hop. Et avec. Alors, on est quand même sur un combo avec deux plantes très résistantes. Donc normalement, a priori, il ne devrait pas avoir de soucis. Mais le truc avec le terrarium, c'est que déjà, il faut bien doser l'arrosage au départ. Parce que si vous l'arrosez trop dès le début, il part avec de mauvaises bases et ça risque de le faire pourrir. Et du coup, tout ce que vous aurez fait, ça aura servi à rien. Et il faudra également veiller à qu'il soit bien à la lumière. Parce que sans lumière, le terrarium est voué à l'échec. Parce que la seule source d'oxygène de ces végétaux, ça va être l'oxygène qu'ils produisent. Et pour ce faire, ils ont besoin de faire la photosynthèse. Donc vous imaginez bien que si vous le placez à un endroit qui est trop loin de la fenêtre, il n'aura pas assez de lumière et ne pourra pas créer la photosynthèse. Et du coup, il va doucement mourir. C'est pour ça que je vous conseille de le placer à 1 mètre de la fenêtre tout en évitant les rayons du soleil direct. Parce que n'oubliez pas que vous allez le mettre dans un contenant en verre. Et du coup, le verre, ça fait effet loupe. Donc si vous le mettez en plein soleil, ça va pas louper. Il y a tout qui va cramer. Alors là, on est plutôt pas mal. Tout est planté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a plusieurs écoles. Soit vous pouvez laisser ça comme ça. Soit vous pouvez les customiser un petit peu. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai gardé un petit peu de pouzzolène, ça va faire plutôt sympa pour mettre au-dessus. Ça va faire un petit décor volcanique et ça j'aime beaucoup. Et celui-ci je pense que du coup je vais réutiliser les petits cailloux qu'il y avait dans l'autre pour les mettre dedans. Et j'avais 2-3 autres cailloux qui traînaient. Voilà, ceux-là en plus ils sont un peu colorés. Donc je vais essayer de les mettre à côté du pilea, comme ça ça va bien ressortir. Donc franchement vous embêtez pas à acheter des cailloux, allez vous balader. Si vous allez à un endroit qui vous plaît et vous voulez garder un petit souvenir, vous pouvez embarquer une petite pierre que vous mettrez dans votre terrarium. Et comme ça, ça vous laissera un petit souvenir de l'endroit où vous êtes allé. Alors dans celui-ci, on va mettre la pouzzolane. En plus, le fait de mettre des cailloux, ça permet de replacer un petit peu les éléments et donner une forme un petit peu différente au terrarium. Par exemple, là, il y a une branche qui me plaît pas trop. J'aime pas le sens dans lequel elle va. Et du coup, avec un petit caillou, je vais un peu l'inciter à aller de l'autre côté. Voilà, celui-ci, ça m'a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Alors pour celui-ci, ça va être du coup les cailloux.
m'a l'air pas trop mal. J'ai pas énormément de cailloux pour l'instant, donc là ça fait quelque chose d'assez épuré. Je pense que du coup ma mission des prochains jours, ça va être d'essayer de l'étoffer en trouvant d'autres cailloux pour ajouter avec. Alors maintenant il nous reste quand même à s'occuper de l'arrosage, et pour ce faire je vais utiliser un petit chip sheet et je vais vaporiser juste les parois, et l'eau va ruisseler sur les parois et comme ça, ça va venir s'infiltrer dans la terre et pouvoir arroser les racines. De cette manière, vous mettez pas trop d'eau d'un coup. Pour vous dire un peu niveau quantité, pour un terrarium de cette taille là, on sera sur une cuillère à soupe d'eau, pas plus. Pour celui-ci, on sera sur deux cuillères à soupe, pas plus non plus. C'est vraiment des écosystèmes qui demandent très très peu d'eau, et si vous en mettez trop, en fait, vous avez vraiment le risque de les noyer. Et j'ai également oublié de vous préciser qu'il faut utiliser de l'eau déminéralisée ou filtrée. En fait, si vous utilisez de l'eau avec du calcaire, déjà les plantes ne vont pas trop apprécier, et en plus ça risque de faire des traces sur votre verre. Donc au bout de quelques années, ça fera vraiment pas joli. Et le fait d'arroser sur les parois, ça permet aussi de les nettoyer, donc ça, c'est génial. Alors ça y est, les terrariums sont arrosés, on a presque terminé. Il va falloir juste les laisser ouverts pendant une petite heure, histoire qu'ils s'acclimatent à leur nouvel environnement. Et après, vous pourrez les fermer et les laisser tranquilles, et surtout les placer à un endroit lumineux. Donc comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, à moins d'un mètre de la fenêtre, tout en évitant les rayons du soleil direct. C'est ce qu'il y a de mieux pour la plante. Bien sûr, vous pouvez les mettre un petit peu plus loin, mais du coup vous prenez le risque que la plante n'apprécie pas et que sa croissance soit freinée, ou même qu'elle pourrisse. Il peut même avoir des développements de champignons. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme j'ai des lampes horticoles, je vais les mettre dessous. Comme ça, ça va les booster vu que je viens de les rempoter. C'est quand même une étape qui est un petit peu traumatisante pour la plante. Donc ça leur donne un petit coup de fouet et ça les aide à se développer. Alors maintenant, je vais vous insérer des gros plans des terrariums qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Parce que je sais pas si pendant la vidéo, vous avez pu voir toute la réalisation. Hello, hello, c'est la Aurélie du montage. Je me suis aperçue que je vous ai pas parlé de l'arrosage des terrariums. Donc alors, pour les terrariums, vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, vous aurez toujours une face où il y aura de la condensation. C'est tout à fait normal, c'est que le terrarium se porte bien et qu'il y a assez d'eau à l'intérieur. Si vous voyez que la condensation commence à diminuer ou disparaître, c'est que le terrarium commence à avoir un petit peu soif et qu'il va falloir ajouter un petit peu d'eau. Du coup, dans les proportions que je vous ai dit, suivant la taille du terrarium, ça peut aller d'une cuillère à soupe à plusieurs cuillères, mais en fait, ça sera jamais un verre d'eau, ça sera beaucoup trop. Donc ça va être vraiment de l'observation et vous ajustez au fur et à mesure. Alors sur ce, cette vidéo réalisation de terrarium est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo spéciale entretien de terrarium. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao !